Je suis né à Casablanca. Je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. J'ai eu naturellement un peu de mal à m'intégrer, forcément. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Julien et Sidamed dans ma classe. On a grandi dans le 91. Ce qu'on a connu, c'est la banlieue, le RER et surtout l'ennui. Tous les deux avec Mehdi, on est un peu le concept des deux opposés qui s'attirent. Mais c'est vraiment la musique qui nous a construits. C'est là où j'ai tout de suite su ce que j'allais faire de ma vie, tu vois, pour mes premières. Écrire des chansons. Et on a vite monté un crew, quoi. Moi et Mehdi, on a eu plein de groupes ensemble. On a tâtonné, on a expérimenté. Et jusqu'à 2005, et la naissance de Eggmanshare. On est des musiciens autodidactes, pas de grands techniciens. On a dû créer notre univers musical sur le temps, avec beaucoup de sacrifices. Quoi. Il aura fallu deux albums, je pense, pour enfin trouver une identité propre, quoi, une directrice. Et surtout une stabilité musicale et humaine, avec l'arrivée de Clément et Cédric. Eggmanshare, la traduction, c'est la chaise du bourreau. Et selon moi, on est notre propre bourreau qui se pend. Et la chaise du pendu, c'est le lien entre la vie et la mort. En fait, la possibilité du suicide permet de supporter ce qu'on endure. Et ce sentiment de contrôle, ça m'apaise l'esprit. En fait, le thème de la solitude de All Honor est apparu suite à des événements qui m'ont renfermé sur moi-même. Le besoin de prendre du recul, et juste d'arrêter l'horloge. Julien voulait traiter sur le sujet de la solitude pour cet album, pour des raisons personnelles, et j'ai tout de suite adhéré au concept. La situation du confinement en plus s'y prêtait bien. Ma vie personnelle prend un autre virage depuis peu, après une période difficile dans ma tête. La solitude me sert également comme refuge contre mes démons. Exactement ce que j'ai voulu faire passer comme émotion sur pareil un des blagues, par exemple. Dans ces temps incertains, on n'attend plus rien de l'avenir. On se pose en spectateur et on regarde le monde brûler.